Salut à toutes et à tous, chers viewers, vieweuses et surtout chers abonnés, c'est Kalal Krypton 62. Je vous fais une petite vidéo parce qu'il y a eu quelques modifications au niveau du setup gaming. Donc je vous fais une petite vidéo courte pour vous montrer un peu les changements qu'il y a eu. Bon, donc ça, hein, ça ne change pas. Toujours aussi fan de Superman, donc de la série Smallville, hein, donc qui sert de décor maintenant, vous avez l'habitude sur mes vidéos. Toujours le setup Playseat de conduite avec le volant Logitech G29 qui est là, avec les pédales qui vont en dessous, voilà. Et comme vous pouvez l'apercevoir, alors déjà je ne suis plus, je vais vous faire une vue globale, je ne suis plus sous PS4, donc la PS4 elle est toujours là, hein, elle est en dessous de la, Xbox. Hein. Elle est toujours là, donc il y a la Xbox, la PS4 en dessous, maintenant il y a la PS5, voilà, avec le casque, la manette, DualSense, avec la caméra PS5 bien sûr, qui est derrière le casque, hein. Voilà, et la nouveauté du jour, c'est ce petit coin. Alors normalement ici, si vous vous rappelez, j'avais un petit PC gamer. Je me suis dit pourquoi garder un PC gamer si c'est pas pour jouer avec. Donc du coup je l'ai revendu et je me suis acheté cet ordi. Donc c'était un ordinateur avec tout intégré, donc dans l'écran, avec le clavier et normalement la souris qui est là, mais je l'ai pas mis. Excusez-moi, j'ai une souris. J'ai quand même gardé ma souris gaming, hein, quand même. N'exagérons pas. Je ne l'ai pas vendu avec le PC. Donc la souris gaming, le plateau qui va bien, qui supporte le clavier, pardon. Et donc ce formidable ordinateur HP qui va me servir pour les lives. Voilà, pour rester sur, voilà, pour faire gaffe au live et faire tout mon travail pour, voilà, pour la chaîne. Tout ça se fera ici, maintenant. Donc voilà. Et après, bien sûr, il y a la télé en beeline, hein, que je vous avais montré sur l'autre vidéo setup. Voilà, chers abonnés, donc voilà un peu les changements. Donc je suis plus sur PS4, je suis sur PS5. Et voilà, j'ai plus l'ordinateur gaming, mais un autre ordinateur beaucoup plus puissant. Avec lequel je peux geeker aussi, parce qu'ils m'ont proposé justement le Game Pass PlayStation justement. Mais bon, c'est pas à peine que je reprends un Game Pass vu que je l'ai déjà sur la PS5. Donc ça sert à rien. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Kalal Krypton 62. Et je vous dis à plus tard sur un live. Là, voilà, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer un peu les changements. Et là, je vais mettre en live. Donc pour ceux qui vont la voir là, dans quelques minutes, et ben tout de suite, à tout de suite en live. Pour ceux qui la verront plus tard, et ben, je vous dis à bientôt. Ah oui, j'ai oublié aussi de préciser. Au soir, j'aurai plus qu'à poser mon téléphone également sur cette étiquette parce qu'il fait aussi charge à induction. Vu que là je suis en train de filmer avec l'iPhone 14, j'aurai plus qu'à poser le téléphone et il rechargera mon téléphone. Voilà, l'écran recharge aussi le téléphone par induction. J'avais oublié. Voilà, des gros bisous à tous et à bientôt sur live. Ciao.